Ton subconscient est ton garde du corps absolu. Et c'est lui qui peut saboter les projets qui te tiennent à cœur. Je t'explique ça tout de suite. Bonjour, je suis Marie-Christine Eustache, coach professionnelle et praticienne en reprogrammation émotionnelle du subconscient. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est une technique qui permet d'aller voir dans ton subconscient ce qui bloque, ce qui fait que ton subconscient met des barrières à tes projets. Tu sais peut-être que 90 à 95% de ce que tu fais est automatiquement géré par ton subconscient. Alors bien sûr, on le remercie parce que c'est lui qui fait tout fonctionner dans le métabolisme. C'est lui qui fait que nous sommes en vie. Maintenant, si tu as le projet d'une vie amoureuse et heureuse, eh bien, si pour ton subconscient ce projet est dangereux, eh bien, il va te mettre des peaux de banane, des planches savonnées pour que tu n'arrives pas à ton objectif. Comment faire pour contrer cela? Eh bien, déjà, la première chose, c'est de faire ami-ami avec lui. C'est de dire, ok, merci subconscient, je sais que tu es là pour prendre soin de moi. Et si aujourd'hui je suis en vie, c'est grâce à toi, parce que tu fais attention à moi. Maintenant, j'aimerais te signaler que j'ai des projets et que ces projets, je vais les réaliser et que je vais avancer pas à pas vers ceci. Il y a certains projets pour lesquels, eh bien, tu vas vouloir mettre des barrières parce que pour toi, c'est dangereux. Ok. Et dans ce cas-là, on va aller décortiquer ensemble qu'est-ce qui est dangereux pour le subconscient. Ce sont des choses qui se passent lors d'un parcours que je propose sur 8 séances. 7 séances pour aller nettoyer, mettre le subconscient en clair. Et la dernière séance, c'est pour que toi, tu puisses être autonome et faire ce travail toute seule. Quand j'ai appris à faire cela par moi-même, quand j'ai vécu moi-même le processus, j'ai libéré énormément de joie, d'amour, de bienveillance pour moi. Savoir faire le processus par moi-même m'a permis de régler tout plein de petites choses qui venaient se déclencher et même encore aujourd'hui, 2 ans après, je continue à faire ces petits réglages par moi-même. C'est à chaque séance un véritable bonheur pour moi de permettre à mes clientes, à mes clients de libérer des choses dont ils n'avaient pas conscience. À partir de quoi on part? Eh bien tout simplement des émotions, des ressentis physiques, émotionnels. Par exemple, d'une douleur. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette douleur? Elle a des choses à dire, elle a des messages à envoyer. Cette tristesse, cette peur, cette colère, ah, elle a ça aussi à dire. Et quand on peut connecter aux racines de ce que la colère, de l'émotion, de la douleur veut dire, eh ben, tout simplement, tout naturellement, je te guide et tu peux aller résoudre ça pour venir y donner beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, des gros câlins. Et après, eh ben, on se sent super bien, complètement transformé. Et à chaque fois, c'est vraiment la surprise que de transmettre mes clients, c'est de dire, mais j'imaginais pas qu'il y avait ce truc-là. Et alors maintenant, tu te sens comment? Waouh, c'est tellement mieux! Alors si toi aussi ça te tente, eh bien, je t'invite à cliquer en dessous, il y a des informations et on pourra en discuter plus amplement. En tout cas, moi, ce qui compte, c'est que tu puisses vivre le bonheur dont tu as envie parce que tu le mérites, comme toute personne sur Terre. À bientôt!